Re Bonjour. Nous allons vous présenter les résultats la synthèse des résultats parce qu'autrement on est là jusqu'à ce soir la synthèse des résultats qui a été ré réalisée donc euh, euh, par euh, Ipsos euh, sur les animations en librairie. L'objectif était euh, de faire un bilan euh, pour le coup objectif euh, des pratiques, des motivations des freins et euh, des moyens engagés pour justement se poser des questions, et je crois qu'il y, qu y en a beaucoup, se poser des questions sur euh, les animations euh, qui sont euh, réalisées euh, par vous de manière à la fois nombreuse et très diversifiée. Concernant donc les objectifs de manière très détaillée. Il s'agissait de mesurer et qualifier les animations développées, les moyens mis en œuvre, les partenaires associés, la communication déployée, de dimensionner les aides, le modèle économique et les résultats, et enfin de bien comprendre les motivations, les freins et ce qui relève des critères de succès mais aussi d'échec. Alors nous avons travaillé avec euh, donc toutes deux avec Michel sur un, un double dispositif, un dispositif quantitatif et qualitatif. Euh, C'est la phase quantitative qui a été réalisée en, en, en premier. Euh, avec euh, un, une étude euh, auto-administrée online que nous avons envoyée à 1789 euh, libraires. Euh, la durée moyenne du questionnaire était de 25 minutes. Le terrain a été réalisé euh, du 20 mars au 28 avril 2019 et euh, à la fin de cette période, nous avons obtenu 225 euh, retours de libraires euh, qui euh, ont très gentiment accepté donc, de répondre à cette étude. Euh, et dans un deuxième temps, après une première analyse de ces résultats, Michel a réalisé un groupe qualitatif dans les locaux du SLF, entouré de neuf libraires. Nous avions les quelques résultats en tête, mais nous avons surtout réfléchi sur les points à engager en termes de partage, notamment pour les ateliers à venir. Les résultats, en, si je ne me trompe pas, huit points. Oui. Huit points. Préambule qui a participé parmi les libraires qui ont été sollicités. Un point sur les pratiques 2018. La question de, de la communication, parce qu'elle est essentielle dans le succès de, des animations, on va le voir. Le, ce qui est évalué et jugé comme étant des succès et des échecs en termes d'animation. Les objectifs, les enjeux euh, qui sont associés aux animations, la question des coûts et la question de la rémunération des auteurs, nous finirons sur des points de perspective et euh, d'évolution. Donc en ce qui concerne l'étude quantitative, on va adresser rapidement le profil des libraires qui ont répondu à cette enquête. Donc Au total, ils étaient 225. Euh, pour les trois quarts d'entre eux, euh, c'était des, des librairies qui, euh, qui avaient moins de 5 salariés. Euh, la surface moyenne de ces librairies... Euh, tout, euh, tout répondant confondu était de 214 mètres carrés. Euh, bien entendu, cette surface est fortement corrélée au, au nombre d'employés, puisque dans les, euh, dans les librairies euh, au sein desquelles il n'y a qu'un seul libraire, on est plutôt sur une surface moyenne de 61 mètres carrés, quand on a des surfaces euh, en moyenne de 622 mètres carrés sur les, les grosses librairies. Hein. 14 de ces librairies disposent d'un espace café. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui, les librairies qui, ont, qui sont les plus nombreuses à avoir un espace café sont les Petite librairie. Et en ce qui concerne le, le profil aussi de la librairie en termes de livres, on est en gros sur, sur un échantillon qui représente 68% de librairies généralistes et 32% de librairies spécialisées, spécialisées en BD manga, en jeunesse, en religion, spiritualité, etc. On leur a également demandé tout au début du questionnaire quel était leur chiffre d'affaires. Donc au global, sur l'ensemble de ces 225 librairies, on est sur un chiffre d'affaires de 846 000 euros, dont 86% sont dédiés aux livres. Donc là aussi, on a une grande disparité au niveau du chiffre d'affaires selon la taille de la librairie, puisque l'on va de 182... 000 euros euh, à 2 millions 445 pour les plus grandes euh, mais en moyenne les, 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 les trois quarts de ces librairies ont un chiffre d'affaires qui est inférieur à 600 000 euros. Euh, ces librairies ont en moyenne également euh, une ancienneté de, de 30 ans euh, et pour 43% d'entre elles, euh, elles ont été reprises. Je vais te laisser préciser le profil de, du groupe qualitatif oui. qui a été réalisé Pour le groupe qualitatif, on ne peut pas être représentatif, mais l'objectif était de représenter des libraires ayant des pratiques, en tout cas en termes d'intensité différentes. Allant, pour vous donner un exemple, à un libraire pour lequel, je crois que c'est dans un contexte de reprise, pour lequel euh, l'idée est vraiment de recréer, grâce à des animations du flux dans la librairie, qui a été désertée par les lecteurs. Donc là, la, la politique d'animation est très, très intense et très dynamique. Avec euh, d'autres libraires, et j'aurais qu'une citation, je me pose la question de continuer parce que c'est du stress, j'en dors pas, et je sens cette pression de tout le monde, les clients qui demandent des animations et qui ne viennent pas, des instances qui nous disent que si l'on n'en fait pas, on est de mauvais libraires, je fais, je suis toute seule, et on sentait, et le mot était, les mots étaient forts, le mot était vraiment le mot de stress dans l'organisation de cet événement, et notamment, et ce n'est pas neutre, et on le verra, c'est important, le stress de la, de la chaise vide. Alors, après ce, ce préambule, nous allons déjà faire un premier point sur, sur les pratiques en termes d'organisation, donc d'animation. Euh, et pour commencer, on a, on a posé une première question quels sont tous les types d'animations organisées par votre librairie en 2018 Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que la quasi-totalité des libraires qui ont, ont répondu à, à cette étude euh, ont organisé au moins une animation en 2018, euh, près de six types en moyenne, la plus répandue étant les signatures dédicaces, suivies par les rencontres débats et les animations liées à une manifestation nationale ou régionale. On a également fait un petit focus qui nous paraissait intéressant sur les animations dédiées au public jeune, jeunes de moins de 15 ans, mais également de jeunes adultes de 15 à 25 ans. Euh, et, euh, et premier constat, c'est que, euh, que les, les libraires euh, sont nombreux, euh, 76% d'entre eux euh, organisent des, des animations à destination des moins de 15 ans. Euh, en ce qui concerne les types d'animations qu'ils organisent pour ce public, ce sont euh, essentiellement des signatures dédicaces, mais aussi des ateliers et des lectures. Euh, en parallèle, euh, en revanche, euh, les libraires sont nettement moins nombreux à organiser des animations. Pour les jeunes adultes, seulement 34% d'entre eux en ont organisé en 2018. Et pour, ces, pour, pour ce tiers de, de libraires, donc qui représente in fine 75 répondants au sein de, de notre échantillon, c'était essentiellement des signatures dédicaces ou des rencontres débat qui étaient organisées pour, pour les jeunes adultes. En moyenne, ils ont organisé 45 animations euh, en 2018, euh, dont plus de la moitié sont des signatures dédicaces ou des rencontres débat. Bien entendu, euh, ce, ce nombre d'animations euh, est corrélé également euh, à, la taille, euh, à la taille de la librairie et au nombre d'employés euh, qui y travaillent. Euh, si si l'on regarde les, les grandes librairies donc, qui ont plus de 5 employés, on est en moyenne sur une centaine d'animations par an, ce qui fait à peu près 2 animations par, euh, par semaine. Euh, et pour les, les, les plus petites, euh, on est quand même sur 23 animations, ce qui nous ramène à une animation toutes les deux semaines, ce qui est quand même assez, euh, assez important comme, euh, comme chiffre hein, euh, pour, euh, pour une seule personne. Euh, alors là, le graphe est peut-être un peu... Euh Complexe, mais c'était juste pour dire qu'en moyenne, euh, on avait une trentaine de participants par, euh, par animation, avec euh, forcément euh, un, un nombre qui peut, euh, qui peut varier en fonction du type d'animation. Euh, mais globalement, on est sur 24 participants sur les signatures dédicaces, 29 sur les rencontres débats et 40 sur les animations liées à une manifestation nationale ou régionale. On va maintenant aborder justement l'enjeu le, de la communication hein, qui est essentiel pour renouveler euh, le public. Euh, et euh, pour commencer, on va faire un, un point sur, euh, sur le profil des participants euh, à ces animations. Donc, c'est une question qui a été posée de manière euh, très générale, hein, quel que soit le type d'animation. Euh, et le premier chiffre intéressant, c'est que 96% euh, des participants à ces animations sont déjà des clients de la librairie. Euh, mais le, le deuxième chiffre est également intéressant parce que 61% de, de ces participants ont été informés par la médiatisation de l'événement. Donc on voit bien que euh, faire connaître euh, la librairie au travers de, de, de ces animations est quand même un objectif prioritaire des libraires lorsqu'ils organisent ce type d'événement, puisque 75% d'entre eux nous disent, nous le disent dans une question qu'on a posée euh, avec d'autres euh, types de motivations, mais que c'est vraiment Faire connaître votre librairie est une motivation prioritaire pour 75% d'entre eux et 24% nous disent également que c'est intéressant même si ça n'est pas prioritaire. Euh, la carte de fidélité est d'ailleurs peu utilisée comme accès privilégié aux animations. Seulement 8% des libraires l'utilisent euh, euh, comme, euh, comme moyen d'organisation. Et plus de 8 animations sur 10 sont en entrée libre. La question de la fréquentation est assez sensible parce qu'on peut effectivement estimer que les formats intimes avec peu de personnes, c'est bien pour les, les échanges. Mais quand même, le plus souvent, la question se pose de la fréquentation, sachant que la piste euh, de l'inscription est, quand elle est mise en œuvre, jugée plutôt euh, pertinente. Euh, pertinente parce qu'elle euh, de, de, met en scène l'événement et crée d'une certaine manière de la valeur autour de l'événement. Elle permet aussi d'anticiper la fréquentation, voire même d'annuler la rencontre. Mais en tout cas, c'est à l'heure actuelle une pratique minoritaire. Donc on a parlé de la communication. Euh, et pour rappel, donc, ce, ce, ce chiffre de 61%, donc, des, des participants qui euh, nous ont déclaré être informés, euh, avoir été informés par la médiatisation de l'événement, donc, on voit bien que euh, c'est un élément essentiel euh, pour, euh, pour organiser les animations et faire en sorte qu'elles qu soient un succès. Euh, donc, ces communications, elles passent essentiellement euh, via euh, la librairie elle-même, au travers d'affiches, mais également aussi très Fortement par les réseaux sociaux. Si l'on rentre un peu plus dans le détail des, des réseaux sociaux qui sont, qui sont utilisés par les libraires pour communiquer sur leur animation, donc on a Facebook qui arrive très largement en première position, puisque 99% donc de, de ces libraires utilisent ce, ce mode de communication pour informer sur, sur leurs animations. Ils le font essentiellement avant l'animation. Euh, et sous forme d'invitations illustrées euh, la plupart du temps. Qu'est-ce qui est un succès, qu'est-ce qui est un échec alors, toujours dans, dans la phase quantitative, on leur a demandé euh, de, de penser à l'animation qui avait rencontré le plus de succès en 2018 euh, et, euh, et pour savoir dans quelle catégorie elle se situait. Donc, euh, là, si on totalise tous les chiffres qui sont là, on est vraiment sur un 100%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, si euh, les signatures dédicaces sont les animations qui sont les plus, les, les plus organisées, euh, ce sont les rencontres débats euh, qui ont remporté le plus de succès en 2018, euh, puisque euh, un tiers des libraires euh, déclarent que euh, c'est ce type d'animation qui, euh, euh, qui a remporté le plus de succès, versus 22% pour euh, les signatures dédicaces. Nous avons essayé de synthétiser en milliers de mots euh, sur une page tout ce qui a été dit lors du, du sondage sur ce qui était la, les clés de succès d des rencontres, donc des, des animations. Donc c'est pas très simple, c'est forcément réducteur, mais en tout cas comme mot clé, le mot rencontre, une rencontre humaine euh, et euh, une rencontre qui est euh, souvent euh, portée par euh, l'échange avec euh, l'auteur. C'est aussi, et c'est un autre mot-clé important, le mot thème est thématique avec une diversité, une créativité forte en termes de recherche de thèmes qui peuvent être mobilisateurs pour le public. C'est le fait de pouvoir, et on va voir que ce n'est pas forcément simple, de faire venir un auteur qui est un auteur connu. Et c'est aussi une autre notion clé importante, tout ce qui va être spectacle, atelier et véritable créativité en termes d'animation de la part des libraires. Le, le critère d'évaluation reste la densité, le, cas, le nombre de publics, le public nombreux, mais aussi un euh, public élargi, et notamment euh, élargi à un public euh, de jeunes, parce que bien aussi la, ce sont bien aussi les, les lecteurs et les, et, et les utilisateurs de, de, de demain. Sachant que le, le, le problème est à la fois de fidéliser un noyau dur de, 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 de clients qui viennent aux animations, mais aussi de ne pas se restreindre à ce noyau dur. Et c'est tout l'enjeu, à la fois d'avoir un public nombreux et un public élargi. Les facteurs de succès, beaucoup de, de choses étaient dites liées à l'organisation des animations, et notamment facteurs de succès, tout ce qui est organisé en partenariat avec les mairies, les musées, euh, voire les bibliothèques. L'importance du thème choisi, d'autant plus, et la formulation du thème, d'autant plus qu'on est sur une logique de... D'animation thématique, la communication, la soirée et euh, également euh, l'ambiance conviviale qui fait forte, forcément partie de la dimension humaine des, des animations. Le levier humain est un facteur de succès. Pour une animation réussie, il est indispensable de créer une ambiance conviviale avec les clients et de faire rayonner la librairie comme un lieu de partage à part entière. À la fois, la convivialité est un ingrédient de succès et la motivation principale de l'animation. Le facteur humain est en fil rouge de tout ce qui est dit sur les animations en librairie parce que euh, c'est euh, une expérience euh, ben, vécue, non transposable à aucun lieu euh, qui crée et renforce le lien avec la clientèle à l'opposé de tout ce qui est fait. Euh, sur les plateformes numériques, donc il y a un vrai enjeu à réussir ce, cette expérience humaine en librairie. En ce qui concerne maintenant euh, cette deuxième question qu'on a posée euh, pour euh, pour identifier en fait l'animation qui avait rencontré le moins de succès en 2018. Euh, parallèlement à ce que l'on vient de voir sur, euh, sur euh, les animations à succès, euh, c'est euh, la signature dédicace pour près de la moitié des libraires qui a remporté le moins de succès en 2018, euh, versus euh, 20% pour les rencontres débats Pour les raisons euh, d'échec, elles sont plus euh, dispersées. Euh, néanmoins, euh, la seule dédicace ou le manque de notoriété de l'auteur peuvent expliquer souvent euh, le moindre euh, succès avec, on l'a gardé, mais juste, euh, euh, c'est pas, pas tellement drôle, mais on a gardé des aspects d'organisation et notamment organiser le, week le troisième week-end des soldes un jour de match, c'est un peu compliqué. <laughs> Donc c'est un peu un exemple extrême, mais on a tous été amenés à organiser des événements des jours de match et c'est vrai que c'est très compliqué. Si on se rend compte que l'animation doit être nourrie au-delà du livre et de l'auteur, le public attend un thème, attend une création de valeur, et même de faire partie intégrante de l'animation. La clientèle de la librairie attend une valeur ajoutée. Elle a peu d'intérêt pour un seul livre signé. C'est là où on va vers des animations qui sont de plus en plus à la fois complexes, riches et créatives. C'est compliqué depuis toujours de faire bouger les gens. Au début, on s'est épuisé sur les dédicaces sur table. On a du mal à avoir les auteurs, à créer des animations autour du livre. On a carrément un gros frein. C'est une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas plus que ça. On s'engage maintenant sur des animations thématiques. Il y a des librairies qui font des rencontres sans auteurs et ça marche aussi, d'autant plus qu'on a des difficultés à avoir les auteurs avec les frais, on va le voir, qui sont aussi générés. Alors, on va maintenant euh, passer à une partie qui, qui est également euh, très intéressante hein, sur, euh, sur euh, l'enjeu des, des animations. Hein, et on va le voir que c'est un enjeu d'image avant tout. Hein. Euh, mais de, tout d'abord pour commencer on a fait alors euh, un point alors c'était une question qui n'était pas forcément très simple hein, mais on a demandé euh, aux libraires euh, qui ont qui ont répondu à cette enquête euh, d'estimer euh, euh, le nombre de livres vendus grâce à cette, grâce à l'animation en amont de l'animation pendant l'animation après l'animation et de nous dire globalement euh, le chiffre d'affaires euh, que, que cette animation avait généré. Hein. Donc ce que l'on voit déjà, c'est que euh, voilà, globalement, hein, toute, toute librairie confondue, tout, tout type d'animation confondue, euh, une, une animation génère en moyenne un chiffre d'affaires de 745 euros pour 76 livres vendus. Euh, et la majorité des ventes est réalisée pendant l'animation. Euh, quand on regarde le chiffre donc, de 76, hein, pendant l'animation, en fait, 41 livres sont vendus en moyenne, euh, mais euh, les ventes réalisées en amont sont loin d'être négligeables, puisque les libraires vendent en moyenne 27 livres sur les 76 en amont de l'animation. Alors là, c'était vraiment une question qui était posée de manière très précise sur euh, la dernière animation. Euh, et, euh, et du coup, on n'a pas vraiment une clé de lecture, enfin euh, une base de lecture suffisante par animation, mais en tout cas pour les, les, les deux types d'animation qui euh, qui avaient été les plus réalisés, les signatures dédicaces et les rencontres débats, on a, on, on peut, on peut voir euh, ces chiffres spécifiquement. Et, euh, et en moyenne sur euh, sur la signature dédicace, on est plus aux alentours de 39 livres, 42 pour les rencontres débats. Et euh, et, et ce sont essentiellement donc des des, des, des des animations pour lesquelles euh, les ventes se font pendant l'animation. On a posé la question de la rentabilité également euh, de ces animations aux libraires. Euh, seulement un tiers euh, des libraires nous ont, considèrent que leur de dernière animation a été rentable. On en a 23% qui nous disent même qu'elle n'a pas du tout été rentable, euh, mais ce euh, n'est pas pour cette raison que les libraires, enfin euh, que vous organisez des, des animations, puisque euh, parallèlement, quand on, on, on a posé la question de savoir euh, si pour eux euh, euh, l'animation en question euh, avait été euh, un succès ou un échec, très largement euh, l'ensemble des libraires qui ont répondu à cette enquête ont considéré que cette cette animation avait été un succès euh, et même pour un tiers d'entre eux, un très grand succès. Effectivement, le, le premier objectif d'une animation euh, n'est pas d'augmenter les ventes, hein, même si, bien entendu, euh, cela reste intéressant. Euh, mais euh, comme Michel vous l'a déjà dit euh, tout à l'heure, euh, le la, la première, la première motivation des libraires pour, pour, pour organiser ces animations est avant tout de donner une image dynamique de leur librairie, mais aussi de profiter d'un moment de partage et de convivialité avec, avec leurs invités. En ce qui concerne les freins, on voit ici que le, le principal frein euh, des libraires à organiser les animations est surtout la crainte hein, de ne pas pouvoir inviter les odeurs qu'ils aimeraient mettre en avant, d'autant plus que 61% des libraires déclarent avoir des difficultés à les faire venir. L'application de l'éditeur et ou de l'auteur dans l'organisation et la gestion de l'animation est un sujet délicat, mais qui mérite d'être abordé. De la part des éditeurs, une aide à la communication et un appui financier. De la part des auteurs et des éditeurs, une mobilisation de leur réseau professionnel ou personnel. Je demande aux auteurs et aux éditeurs de mobiliser le réseau. C'est un partenariat. Il n'a pas de raison que le libraire soit le seul à galérer. J'ai aussi un frein de la part des éditeurs. Ils ne me répondent plus. Je suis obligée d'envoyer un mail avec une lettre de motivation comme si j'avais 18 ans et j'attends les réponses. On a aussi besoin que l'auteur fasse aussi fonctionner son réseau. C'est un partage. On ne peut pas être les seuls à porter ça. Seulement 10% des libraires font payer les animations et la question de la participation est là encore un sujet euh, délicat. Délicat parce qu'il faut oser faire payer. Or, à la différence d'autres commerçants qui ont une marge de négociation, nous, on n'a pas de marge. Parler d'argent avec les clients, c'est délicat et c'est d'autant plus délicat dans ce contexte d'animation. Pour autant, il y a euh, des frais engagés, il y a des apéros, il y a des animateurs euh, spécialisés. Et quand les pratiques, euh, quand on, on s'est engagé euh, dans la participation euh, financière à destination des, pour les clients, euh, généralement, ça donne de, en positif de la valeur à l'événement et euh, également ça engage plus fortement les participants. donc il y a une vraie, une vraie question qui s'est posée. oser faire payer et faire payer pour quoi? nous allons maintenant aborder euh, bah, la question des, des coûts euh, élevés générés par ces animations et, euh, et que les libraires considèrent comme peu partagés. Hein. Euh, sur la question des freins, euh, on a parlé tout à l'heure du fait de ne pas pouvoir inviter les auteurs souhaités, euh, mais également parmi ces freins, même s'ils sont moins rédhibitoires, euh, l'ensemble des coûts générés par l'organisation des animations sont dissuasifs pour les libraires euh, qui, euh, le disent eux-mêmes, euh, ils regrettent de ne pas être suffisamment aidés financièrement parlant, euh, puisque euh, 20% sont tout à fait d'accord, 46% sont plutôt d'accord avec, euh, avec euh, cette, euh, cette opinion. Euh, et euh, à titre d'exemple, euh, on leur a demandé euh, si l'éditeur ou le diffuseur euh, euh, avait participé au financement de, de leur dernière animation euh, et seulement euh, un peu plus de la moitié des libraires, 56%, euh, nous ont déclaré avoir perçu une aide euh, de leur part euh, et cette aide portait essentiellement sur le déplacement de l'auteur ou les remises, mais beaucoup moins sur la communication. Qui, on l'a vu précédemment, est essentiel à la réussite de l'événement. On a également abordé la question de la rémunération des auteurs, dans un contexte, on l'a vu, qui est compliqué pour les libraires. Et euh, à cette question, le principe que le libraire rémunère l'auteur pour sa participation serait-elle, selon vous, souhaitable ou pas souhaitable euh, les, les réponses sont quand même assez euh, affirmées pour... Euh, pour dire que euh, voilà 75%, donc les trois quarts hein, des libraires, euh, considèrent que euh, rémunérer l'auteur n'est pas souhaitable hein, et, euh, et cela aurait des conséquences hein, sur, euh, sur leurs prochaines animations euh, qui amèneraient soit à une réduction du nombre d'animations qu'ils organiseraient, soit un transfert vers des animations sans auteur. C'est un facteur indéniablement déstabilisant dans un contexte de répartition des coûts déjà pénalisant, avec du d un, une perspective qui est pour certains, et ils peuvent déjà le faire, de s'engager dans un partage et, et avec d'autres acteurs comme la médiathèque. C'est la médiathèque qui, qui, qui prend en charge... Ce budget, ça se fait à la médiathèque et à la librairie, mais dans les deux cas, on incite l'auteur à ne pas parler que de son ouvrage. Donc c'est une piste qui est de travailler avec d'autres acteurs. Et puis aussi, quel va être le rôle et la position des éditeurs. Et euh, les libraires étaient en attente d'informations de, 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 sur, sur ce sujet. Euh, je, ne vois, je ne comprends pas pourquoi ils ne payent pas quelque chose. Ce doit être un cercle vir, euh, vertueux. Et il faut que ce soit prévu en amont, que ce ne soit pas rencontre par rencontre, car ça va polluer nos relations, ça va polluer leurs relations avec nous. En tout cas, c'est un sujet délicat euh, à, à aborder dans un, système, dans un contexte économique qui n'est pas un contexte euh, positif pour l'économie des animations. Les perspectives Oui. Donc. Euh en conclusion, on a, on a en fin de questionnaire, euh, on, a, on a mis toute une liste d'opinions euh, et on a demandé donc aux, aux libraires qui ont répondu à cette enquête de nous dire s'ils étaient tout à fait, plutôt, plutôt pas ou plutôt pas d'accord avec chacune de ces affirmations. Et là, on va surtout s'arrêter sur, sur, sur deux, deux affirmations. Pour la très grande majorité des libraires, il est indispensable d'organiser des animations. Donc ça, c'est bah, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on est là aujourd'hui. Euh, vous êtes tous très attachés aux animations et c'est devenu incontournable. Euh, et, euh, et ça l'est d'autant plus que c'est un véritable point de différenciation vis-à-vis -vis des autres circuits de distribution et notamment, pour ne pas les citer, les plateformes, les plateformes digitales. Euh, par conséquent, euh, quand on demande euh, aux libraires de se, de se projeter sur euh, l'année 2019, hein, euh, les deux tiers d'entre eux nous disent euh, qu'ils euh, qu qu organiseront euh, autant d'animations qu'avant, euh, mais euh, un quart d'entre eux, euh, et c'est un chiffre qui est intéressant surtout quand on le compare hein, euh, aux 14% euh, qui nous disent... Euh, souhaiter faire moins d'animations. Donc un quart d'entre eux souhaitent en organiser davantage. Euh, L'enthousiasme et le plaisir euh, retirés sont plus importants que les, les difficultés euh, qu'ils rencontrent. Reste qu'organiser une animation, c'est aussi gérer le stress de l'échec et de la chaise vide, un stress exacerbé quand il est vécu dans la solitude de sa, de sa librairie. Un certain nombre de questions, et je pense que ça va faire partie des, des ateliers. Sont en tout cas posées pour réinterroger les pratiques. Quelle, entre guillemets, même si c'est un peu du jargon marketing, mais quand même, quelle cible viser entre la fidélisation d'un noyau dur et vraiment arriver à élargir pour ne pas, comme il a été dit, se baser que sur les têtes mauves On est dans la construction d'un lien entre clients, pas forcément les plus fidèles, mais pas les moins présents, avec des leviers de renouvellement hors littérature. Donc, c'est quelle cible quel style d'animation, alors qu'on est dans une génération Netflix, c'est quoi demain l'animation en la littérature Quelle programmation Parce qu'on est dans une vraie logique de programmation des animations, notamment l'alternance entre les différents types d'animations. Quelle juste euh, périodicité euh, Quelle doit être la vitesse de croisière Comme nous ont dit les libraires, il faut trouver un juste milieu euh, pour ne pas... Euh, pour, euh, à la fois capter de nouveaux clients, les renouveler, fidéliser, ne pas casser euh, un cycle euh, en, en faisant moins et, et faisant en sorte que plus personne ne vienne. Quelle est la gestion de l'espace et quelle est la gestion des flux pour ne pas pénaliser les autres ventes. Quelle formation pour acquérir un savoir-faire ou motiver les équipes. Et enfin, on, on l'a dit, oser faire payer et faire payer quoi Oser la réservation ou pas se poser la question de l'importance prise par les animations dans les critères d'attribution des aides, un rééquilibrage au profit d'autres aspects du métier de la librairie, n'est-il pas nécessaire C'est en tout cas ce qu'ont euh, qu soulevé euh, un certain nombre de libraires comme point d'interrogation pour demain. Et c'est terminé. Je vous remercie pour cette présentation qui, je suis sûr, viendra nourrir les débats de ces deux jours et je pense posera enfin apportera pas mal de, de réponses aux questions qu'on se pose dans nos librairies. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation et nous avons une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes avant de reprendre pour la présentation de la plénière suivante sur l'étude concernant les clients en librairie.